Les amis, bien le bonjour, on est ensemble aujourd'hui pour un unboxing mystère, mais j'ai jamais fait aussi mystérieux. Déjà aujourd'hui je serai pas tout seul, j'ai Nico avec moi. Bien le bonjour. Et il y a Ludo derrière la cam qui va aussi participer. Yes. Viens donc voir, on a ce carton. Dans ce carton, il y a 25 kilos de vêtements vintage, ça fait 50 pièces. On sait pas quelle marque, on sait pas quelle taille, on sait pas quelle couleur, on sait rien de tout ça. Juste c'est vintage. Juste voilà, c'est vintage. J'ai acheté ce colis pour 510 €, il y a 510 € de ça vintage. Si tu divises, attention là je vais faire E égale M6. Si tu divises 510 € par 50 items, ça donne le chiffre qui est à l'écran, je ne sais pas faire le calcul. Petit truc en plus, il va y avoir beaucoup trop de vêtements pour nous. Mettez donc en commentaire quelle est votre pièce préférée. Je vais sélectionner 10 commentaires et je vais offrir 10 pièces qui feront partie de ce carton, ce colis mystère. Je vais pas parler plus que ça, il y a beaucoup à regarder aujourd'hui, donc viens donc là. Ça va durer une heure. Ça fait 25 kilos, regarde, c'est solide, je peux monter dessus. Oh la dingue. Mec, ça fait rien, mec, c'est solide. Vraiment, là, il y a juste un carton avec du polystyrène, il y a rien du tout dedans. Je l'ai pas mentionné, mais ce carton, il vient de chez Bulk Wholesale Vintage. Oh, c'est long. C'est très long, voilà, c'est vraiment très long. Ça vient d'où? Ça vient d'Angleterre. Ah oui, j'ai payé 184 € de frais de douane. Voilà, ils ont une sorte d'entrepôt, des docks à côté de la manche. Ils trient les vêtements qui récoltent par thème et après ils envoient par thème ce que tu veux. Moi j'ai choisi le carton où il y avait 50 pièces qui viennent je crois de Depop et eBay, un truc comme ça. J'ai peur que ça soit pas ouf, je sais pas à quoi m'attendre. Là j'ai l'impression que ça va pas être ouf. Ah ouais? Ça va tout mettre... Ah frérot, je mets tout et on fouille. Et aujourd'hui, c'est le marché gros. Et là... On mélange tout. Et maintenant, on va fouiller, mon gars. Rock. Rock and roll. Attends, il est stylé, celui-là. C'est quelle taille? C'est un L. Vas-y, mets-le tout de suite. Je pense qu'il va être stylé sur Nico, celui-là. Un rock, hein, j'ai dit, hein, s'il y a des trucs de métal ou quoi. Moi, je fouille. En attendant, je fouille. Déjà, ça sent un peu le grenier, frère. T'es ouf. J'ai l'impression d'avoir mis le pull de mon grand-père. Bon, là, c'est froissé. C'est froissé, mais bon. Normal. Ça peut-être plutôt, ça peut lui aller. Ça vient d'où? Hollywood. Attends. Ah non, mais ça c'est surtout les tiers d'Hard Rock Café. Non. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'ils ont, pas pour le restaurant. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont des trucs Hard Rock Café dans tous les pays quasiment. Ouais. Bah, oui. À chaque pays, t'as la ville ou quoi. Donc lui, là, il vient de Hollywood. Exactement, bah, mon gars. Ça se trouve, Kanye West l'a vu. Ah bon, moi j'ai ça. Ça j'aime pas. Par contre, quoi? Je viens de voir un logo que j'aime bien. Le logo, regarde, ça c'est Starter, frérot. Triple XL. Waouh. Ah, c'est large. Et le Starter, s'il était à ma taille, j'aurais fait une dinguerie. C'est quoi ça? Puma un peu bizarre avec des trucs genre... Ah, pas ouf. Oh, c'est moche. Hein. Ah, il y a un autre truc starter. Ah, le même pull. Non, non. Taille L, heavyweight. Ça, tu peux essayer, non? Gros. Tu penses t'as les... Je pense ça a pas mal, ça. Hein? T'as l'année de trucs, tu penses, sur les étiquettes? Sur les étiquettes, tu peux avoir l'année, ça dépend. Et lui, là, ce pull-là, là, mec, c'est que je grand. Ah, c'est dommage. Hein. Ah, c'est dommage. Ça, c'est le truc starter. Ouais, c'est un L, mais ouais, je mets pas du L, donc c'est normal. J'adore mon pull starter. Alors, là-dedans, j'ai un Halfzip Columbia. Lui, pas dégueu, mais j'aime pas la couleur. C'est quoi ça? Oh, une polaire. Il y a écrit Majestic. Ah. USC, ça doit être une université, genre. C'est une taille... C'est quoi en bas, là, là? Comme ça? Sur la manche. Il y a pas un nom, genre? Ah! Trojans. Ah, je vais passer pour un inculte, j'avoue, ça me dit rien. Petite précision sur la référence de cette polaire. En fait, c'est une polaire qui vient de Trojans USC, l'équipe de foot US de l'Université de Californie du Sud. Le nom Trojans fait référence au cheval de Troie et c'est leur surnom dans la ligue universitaire. Bon, ça c'est pas mal, je sais pas c'est quelle taille. Tiens, essaye Ludo, passe la cam. Let's go. Alors, ça dit quoi Ludo? Un peu grand. Hein. Non, c'est bien. Oh, quoi que non, ça ressemble. Ça. T'es beau avec ça, non? Elle est BG? Franchement, elle a l'air. Oh, y a un mouchoir. Non, je rigole. C'est validé ça? Ouais, je trouve qu'elle est belle. Hein. Ouais, moi je la trouve cool. Falsa. Oh le froc! Oh là là! C'est quelle taille ça encore? C'est starter aussi, il me semble. 36-38. Non, c'est faux. Ouais, c'est un 36-38, mais en largeur. C'est ce qu'il écrit. C'est un 36-38 en largeur, gros. Il est énorme! Oh là là, t'es moi la taille du. C'est le truc de Shaquille O'Neal ça! Eh hey, gros, regarde. Mais gros, c'est Shaquille O'Neal qui se. Je rentre dans une jambe. Ah, c'est vrai en plus. Oh la vache. Les gars, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça va être claqué au sol. Je pense qu'il y a quelques items qui vont se démarquer, on va dire, mais dans l'ensemble... Ah, ça peut plaire aux gens, ça. Ouais. Oh. Mais c'est quelle taille encore, mais ça? Frérot. Attends, mais c'est quoi comme taille? C'est un XL. Non mais mec, t'es fou. Ah mais c'est un XL US. Ah ouais, c'est un XL de... Là où le Big Mac, il est à 1 €, tu vois. Mais l'item est pas dégueu, hein. Oh. La veste elle est elle a un la truc, veste ouais. Est très stylée, elle est très épaisse. Ça va se passer mais genre les petits empiècements là, poche et tout. Ça c'est pour les gens qui font du tout pixel. C'est une grosse veste doublée, elle a l'air imperméable. Et il y a le gros logo Nike comme ça dans le dos. C'est BG hein. C'est stylé mais c'est énorme. Hey,
Nautica. Enfin, un truc petit, c'est quoi? Un truc S. C'est pour moi. Attends. Nautica, c'est bien, j'aime bien moi. Il est bien épais, hein. Je pense qu'il va m'aller à moi, celui-là. Non, mets-le. Non, mets-le, j'ai chaud. Moi, je fouille. Oh, la veste, comme quand j'étais au collège. Ouais. C'est carré. Moi, j'aime bien. Ah, il y a une tache. Non, où ça? Ah non, c'est un pli, autant pour moi. Get l'étiquette, frérot. Allons. Oh, wow. Alors là, wow. C'est horrible, je trouve. Apparemment, l'item. Y'a rien qui va là. Y'a rien qui va, enfin. Oh, c'est quoi ça? L'espèce de colle. Oh, c'est bizarre, hein. Ouf. Et derrière, t'as un logo comme ça. On dirait grave les pulls Adidas des années 98-2000 là. Ouais. Et t'es sur une taille 46-48. USXL. Ah ouais, donc. Ça, à une époque, c'était la mode, hein. Ah, ça, c'était. Ouais. Les trucs Reebok et même Adidas avec toutes les couleurs fluo et tout ça. Y'en a beaucoup qui portent. Ah, je m'attendais à des trucs vintage, mais pas comme ça. Oh putain. Oh là là. Lui c'était un clopé, hein. C'est peut-être au petit bonheur la chance, hein, c'est une réalisation. Ouais, moi je m'attendais plus à des trucs comme ce qu'on avait, starter, tout ça là. Ça c'est quoi ça? Starter encore? Oh, ce pantalon! Oh, Sergio Tacchini! Oh là là. Ça c'est vieux ça. Y'a pas d'étiquette là-dessus, si. C'est une taille triple XL, qu'est-ce non, que tu fasses de ça, frère? J'aurais dû prendre l'édition spéciale nain. Ah, ça peut me plaire. C'est quoi ça à côté? Je suis mort. Comme la Reebok un peu. Ouais, ouais, c'était. Mais là, c'est taille quoi là? Mais frérot, c'est bizarre. C'est un XL! Ah, y'a un problème. La fermeture elle est cassée, tu peux pas le mettre. Ah, pas le fermer. Fermeture cassée, ils auraient pu trier au moins quand même. Ah, je pense vraiment ils mettent ça. Ça va. Oh, non, j'aime pas. Ah ouais. La matière, j'aime pas. Ils auraient pu bien trier quand même. Je sais pas si c'est la date, mais il y a 0616. Je pense que c'est un truc de factory, ça. Ça, c'est vraiment les pulls Nike que t'as chez Courir. J'en ai reçu, on n'a pas. Ah, mais de ouf, c'est oh, vraiment, chose. Vraiment, ça, vraiment. Ça, c'est pas vintage, ça, c'est récent, ça. Allez, fouille, hein, Nico, sers-toi, hein. Alors, ça, c'est quoi? Adidas encore? Beaucoup de Adidas, Puma, tout ça. Ouais, répétitif un peu, hein. Ouais, puis ça, c'est simple. C'est un hoodie, Adidas, normal. C'est encore voilà, une grande taille, non? C'est une doublure, ça. C'est doublure? Ouais. De ouf. Double XL. Allez! On va trouver une pépite là, je le sens Nico. C'est un champion comme on connaît de base. Par contre, le textile il est de meilleure qualité, ça se voit. Ah ouais? On voit, il est plus. Ah ouais, de ouf. C'est quoi le dos que t'as là? C'est un haut filament, bref. T'aimes bien? Non. Oh, c'est champion aussi. Ça, je porte pas, regarde, il y a une trace de caca là. Déçu. Et il y a 500 euros là. Ah oui, c'est vrai. Et en vrai, c'est vrai, j'avoue. Et en vrai, c'est que des trucs que. Je pense que tu vas au marché, tu trouves les mêmes trucs, tu prends la même chose, tu payes beaucoup moins de ça. Ah, franchement, gros. Alors, ça, c'est quoi? Et laisse. Ah, ça a donné plus envie sur oh, oui, ah, oui, largement. Là je mets 3 captures d'écran du site tout de suite. Bah c'est pas ça. Oh, l'italien avec le col relevé comme ça. Bah. Ouais, non. C'est pas mal, mais je vais pas me retourner dessus dans la rue, hein, clairement. Ouais. Ça donne bien, ça rend bien ou des petites taches. Ah ouais, pas de poche. Oh là là, c'est quoi ça? Puma, truc bien fluo. Alors ça. Oh là 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 là. Oh là là. Qu'est-ce que c'est? Si. Bah c'est très fin. C'est Marseille ça. Je pense que c'est un truc cycliste, genre un truc comme ça quand il pleut. Hein. C'est très fin. Alors les amis, je vais vous faire la confidence. Je pensais que le tournage allait durer une heure, ça fait 20 minutes. Ça va être. Y'a plus grand chose là, j'avoue, je suis un peu. Je pense que c'est plus un short qu'une vidéo. Hein. frérot, regarde Under Armour. Emoji. Moi j'aime beaucoup la marque. Tu te souviens sur le site dans quel truc t'as pris le machin? Ouais, j'ai pris la gamme Deep Hop eBay trié 50 pièces. On retournera dessus voir les photos qu'ils mettent et tout ça. On va aller voir ça après. Hein. C'est le truc de mon papy ça. Ouais, c'est que ça. Même bro. Ouais. Comme ça, tu sais, les trucs comme ça, c'est. Frérot, j'ai pas porté ça moi. Après, j'ai pas de jugement, mettez ce que vous voulez, mais. Bien sûr. Et voilà quoi. Ah! Oh, c'est pareil. Tous les A, ils finissent mal. Numéro 4, Adidas. Non, oh, bah non. C'est quoi ça? Erima, mon gars, oh là là. J'avais une veste de survêtement comme ça quand je jouais au foot à l'époque. Mon club, il avait pas d'argent. C'est-à-dire, il avait chez U-Sport. Erima, et j'ai même eu un truc d'une marque qui s'appelait Macron. Tu vois, oui, des oui, clubs oui, Macron. Oui, ah, Macron, il y a quand même ouais, des clubs portugais qui sont. Bah, là, bah voilà, hein, c'est qu'un hasard, non. Je voulais l'essayer, mais en vrai, c'est un truc de sport, tu vois. J'ai... Par contre, il y a beaucoup de bas Adidas. Hein. Là, il y a que ça. Si tu veux faire de. Regarde. Ils ont tout mis. Y'a que ça. Rien. Pas ouf. 500 euros. C'est n'importe quoi le prix. Et en vrai, je pensais jamais dire ça. Mais à ce prix là, je préfère acheter une box hit. Hein. Bon, largement. En fait, ce qui est vraiment chiant, c'est que tous les articles, même si c'est pas la même chose, ça reste la même chose. C'est pull avec Puma, Adidas, tout ça. Enfin, c'est du vieux et du revu. Je suis déçu. On va en acheter une autre. Non. Non, Nicolas, non. On va quand même faire le compte, voir s'il y a vraiment 50 pièces. Alors attends, j'enlève celle-là. 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 23, 24, 36, 37, 38,
39, 48, 49 et 50. Comme quoi, la qualité ne fait pas la quantité, ou l'inverse. Exactement, c'est l'inverse. Nico, vu on choisit quand même les top pièces de la vidéo. Ça va être très rapide, alors. Ouais. Ah, c'est la pire boîte mystère que j'ai fait de ma vie, là. Le premier item que t'as trouvé, là. C'est vrai. Hard Rock Café, il est pas mal, il est cool, tu vois. Save the planet. À ce moment-là, je me suis dit, ça va être lourd. Ah ouais, moi j'y ai cru, tu vois. Alors là, par contre, là, faut vraiment être balèze, les refs. S'il y a un gars balèze qui passe là, franchement, je l'offre avec grand plaisir. Et c'est une veste doudoune un peu Nike avec le grand Nike derrière. Ça c'est lourd. Et ouais. Y avait pas énormément de Nike du coup. Il y avait le pull blanc. Adidas. Poison. Eh gros, le Erima c'est une insulte, frérot. Genre vraiment, c'est le truc que même à 8 ans je voulais pas porter. Y a quoi d'autre? Ça, starter un peu à la limite. Bah c'est des trucs classiques. Mais après, la forme elle est cool. La coupe est bien en fait. Une coupe un peu boxée. Ça on va le garder, on va le faire sampler ça. Ouais. Ça c'est un peu genre. Ça laisse un nom. À l'ancienne, non? Ouais. Ouais, c'est ça. Ensuite, Nico a une pièce là. Vas-y, viens, on trouve des trucs. Et bah écoutez, c'était la boîte mystère Bulk Wall Vintage, Wholesale, là je sais pas comment on dit. Je suis désemparé les refs, j'avoue, je suis deg. Si vous voulez des pièces de la vidéo, mettez-les en commentaire. Moi je vais garder ces pièces là pour une vidéo Vinted, comme je fais des fois où pendant une semaine je mets en vente des items sur Vinted, voir si ça part. Et si après ça part pas, je vais tout mettre dans un bac à vêtements, association, bam, ça dégage. Ouais, carrément. En vrai, c'est des vêtements que tu kiffes à voir quand t'as pas de vêtements. Faut montrer aussi quand ça se passe pas bien, en vrai, bien sûr. Faut le montrer. Et là, c'est un échec. Donc surtout qu'on s'imaginait vraiment beaucoup mieux quoi. L'échec il est surtout là. Envoyer des vêtements avec du sang dessus gros. bon, c'est pas ouf quoi. Ah ouais. C'est vraiment pas ouf. Et là, tiens, il y a des traces marron là. Oh, c'est dégueulasse. Mais gros, c'est sale. C'est sale, tu regardes derrière. Des taches comme ça gros. De la merde ou de la rouille, je sais pas, tu vois. Et où j'ai envie d'aller prendre une douche là. Oh, ça me. Les amis, j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Et puis bah écoutez, on se donne rendez-vous la semaine pro pour de nouvelles vidéos. D'ici là, portez-vous bien. À très vite et surtout, achetez pas ça. Voilà, gardez votre argent. Et achetez une paire de Trévis à la place. Ah. Allez, salut.